Yo les gars, c'est Tsunost. Aujourd'hui, nouvel épisode, ça va être la troisième épisode de cette série que j'ai décidé de sortir. À la fin de la deuxième épisode, il y avait le boss qui se trouve à Marine Fortress. D'ailleurs, je vais regarder si elle est toujours là. Oui, c'est ce boss-là, normalement, que je suis censé faire. Enfin, j'espère que je vais arriver à le tuer parce que quand même, il a 3 katanas et moi, j'ai aucun katana. Et il est level 130, il s'appelle Vice-Amiral. Bon ben, pour l'instant, je vais d'abord faire les petits mobs qui sont derrière. Ouais, les petits mobs qui sont dehors. Voilà, le temps d'augmenter mon niveau parce que je suis quand même niveau 120. Pour l'instant, je vais d'abord commencer tout d'abord à aller random un fruit. Voilà. Si je random, ce n'est pas pour manger le fruit. Je vais juste random pour voir si j'ai de la chance ou pas. Attendez. Oh, il y a un boss qui vient de spawn. C'est incroyable. Le boss, normalement, il prend 1 heure et 15 minutes de spawn. Ah ben là, il vient de spawn. Donc du coup, ça tombe bien parce que j'allais directement dans cette direction. J'allais aller à la jungle. Mais bon, vu que la jungle se trouve dans la direction, je profitais de faire ce boss. Bon bah, normalement, ce boss-là, on a 15 minutes pour le tuer. Et une fois que tu l'as tué, tu as la chance d'obtenir quelque chose de très très rare. Attends. Ah, ok. Normalement, j'espère qu'il y a vraiment personne qui est déjà dans l'île. Parce que ça serait déjà dégueulasse que quelqu'un vienne le tuer. Oh, oh, oh. Il y a le boss qui est là. Oh, oh, oh. Alors, le boss, il se nomme Saw. Wesh, il est level 100. Ah bah, normalement, je peux te buter, en fait. Allez, let's go, c'est parti. Wesh, ce boss-là. Attends, mais il est level 100, mais sa vie, il ne bouge pas. Hein. C'est pas normal. Oh, il fait trop de dégâts. Bon, je vais te taper comme ça. Attendez, attendez, attendez. Ok, on va taper, on va taper, on va taper, on va taper. On va taper de loin. On va te laisser bloquer là. Voilà, ça, c'est génial, ça. Oh là là. Je m'attendais pas vraiment à ce que ce boss-là, il spawn comme ça. Mais bon, faut croire que j'ai de la chance maintenant. Allez, on frappe. Bam. Oh là là. Eh, par contre, il a beaucoup de vie pour un boss qui est level 100, quand même. Allez, on frappe, on frappe, on frappe. Par contre, son épée, il fait trop de dégâts. Attends, si je gagne son épée au premier coup, ça serait vraiment de la chance. Quelque chose de malade. C'est la première fois que je le fais. Du coup, ça serait quand même incroyable de gagner son épée au premier coup comme ça. Apparemment, on a dit... Oh là. Mais cette épée sur... Non, 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 non. J'ai failli mourir. Oh là là, 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 là. Non. Il y a des gens qui viennent. Et toi, là. Non, laisse ce boss, il est à moi. Mais par toi. Mais non, il m'a one-shot, le gars. Il m'a one-shot. Ah, j'ai gagné quand même des bounties, mais j'ai pas gagné la sword. Je suis un peu déçu, en fait, qu'il est venu le tuer à ma place. Il est level combien, ce gars-là? Eh, hey, salut, jeune homme. Réponds-moi quand je te parle. Alors, il répond pas si ça va ou pas. Il ne sait pas vraiment quoi dire, à ce que je crois. Il a dit, ça va. Tu connais Tsunost? Bah oui, alors c'est moi. Je pense qu'il va pas croire que c'est moi quand je vais lui dire. Je lui ai dit d'aller regarder la dernière vidéo que j'ai publiée parce que c'est le deuxième épisode. Donc, du coup, il y a toujours ce même skin. Bref, allez, on va plutôt continuer à s'ouvrir notre chemin. C'est parti! Là, on va d'abord aller random ici. Voilà, c'est là où je voulais venir pour venir random. Et j'espère que, bon, cette fois-ci, si j'ai pas un bon fruit, ça passera. Dans la deuxième épisode, j'avais random ce fruit de light que j'utilise actuellement. Mais bon, si j'ai pas un bon fruit, je pense que je dirais ça passe. Alors, on va voir. Oh, j'ai le fruit de la flamme. C'est pas mal du tout, mais je peux pas le manger parce que le fruit que j'ai actuellement, il est mieux que le fruit de la flamme. Bon, je vais quand même le mettre dans mon inventaire. Allez, store. Je pense qu'actuellement, j'ai un fruit. Voilà, c'est mon tout premier fruit que j'ai pu store. Attends, est-ce qu'on peut le sortir de son inventaire? Non! Je pensais pas qu'on pouvait le sortir de son inventaire. Ah oui. Bon, bah, il faut que je le mette vite avant que quelqu'un vienne là et me bute parce que j'ai pas beaucoup. Ah, mais non. Il peut pas me toucher parce que j'ai pas activé le mode PVP. Bon, je vais le laisser désactiver comme ça, personne ne peut me toucher. Allez, il faut que je puisse voler jusqu'à trouver l'île que j'étais. C'était l'île de Marine Fortress. Je crois qu'elle est vraiment littéralement tout là-bas. Ouais, je pense qu'il est là-bas. Mais bon, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Attends, on va aller dessus pour voir ce que ça donne. Ah mais oui, ah mais oui, je me souviens de cette île. Je me souviens de cette île, il y a un boss ici, je crois qu'il est aussi level 100. Il est level combien? Il est level 120, comme moi? Non, non, en fait, je suis plus grand que toi parce que maintenant, je suis passé level 120. Tain. Du coup, ça veut dire que normalement, je suis censé arriver à tuer. Allez, on va cliquer. Ah, attends, 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 parce qu'il fait trop de dégâts. Je le vois pas, mais du tout, mais je fais des dégâts, c'est incroyable. Allez, non, 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 si je continue comme ça, il va me tuer. Et c'est pas bon pour les affaires. Bam, c'est parti. Et on a eu 3000 bounties. On a rien eu de spécial. Bon, bah, on va prendre ton coffre. Voilà. 1837 euros. Enfin, berry.
Ah, mais c'est cool ça, parce qu'il y a l'île qui est juste à côté de nous. Bon, vu que ma vie, elle prend trop de temps pour monter, et que si je vole, je vais voler très lent, le meilleur des façons, c'est de me détransformer. Attends, est-ce que je vais spawn dans cette île? Dans cette île? J'espère. Non! Non, c'est pas possible. Ils m'ont remis depuis ici, mais ils pouvaient me mettre ici. C'est pas possible. Bon, ben maintenant, je dois faire tout le chemin pour aller tout là-bas. Ça va être tellement long, mais bon. Allez, c'est parti. Oh, je suis enfin arrivé dans l'île. L'île, elle est la Marine Forteresse. Les mobs, ils ont spawn dès l'instant que je suis arrivé. Faut croire qu'on dirait vraiment qu'ils n'attendaient que moi. C'est incroyable. Allez, du coup, maintenant, je dois aller prendre les quêtes de 120, normalement. Alors, ce mec-là, il ressemble plutôt à Sanji, enfin, je dirais. Mais bon, bref. Du coup, Chef Petit. Oh, c'est les Chefs Petits officiels. Level 120. Ben, c'est pas mal du tout. Wow. Bon, alors c'est qui les chefs petits? C'est vous là? Ah ben. Attends, mais ils peuvent même pas me toucher. Ah ben ça passe. Attends, je vais te frapper toi. Et toi? Ça va être encore plus facile que ce que je croyais en fait. Ça va être incroyablement facile. Et voilà, et on remonte, et on monte. En fait, je pense que le fruit de la lumière, je vais essayer de l'augmenter jusqu'à ce qu'il monte bien de niveau. Hein. Juste cliquer et recliquer encore, cliquer, faut toujours cliquer. On peut faire que ça. C'est pour ça que j'ai... Oh, je suis monté de niveau... Deux niveaux de plus. Allez, on est niveau 123. Ce qui est incroyable, c'est que je fais que cliquer. Donc, du coup, autant activer un autoclic. Comme ça, je vais faire que cliquer. Toujours spam, encore spam. Voilà, une fois que tu les as tués, tu passes à un autre mob. Le mieux, c'est de tuer d'abord les trois, puis venir faire ce dernier. Une fois que tu as fini ce dernier, ben, les trois autres, ils ont le temps de spawn. Oh, j'ai débloqué une attaque de plus. A new skill available. J'ai débloqué le réflexion kick. C'est quoi le réflexion kick? Ouch! Stylé! Attends, mais c'était stylé cette attaque. Attends, on va le refaire, on va le refaire. Attends. On va le refaire, mais j'attends qu'elle se recharge pour la refaire. Ok, on va le refaire. Bam! Non, mais c'est stylé! Allez. Bam, bam, bam. Attends, je pense que j'ai bloqué la nouvelle quête. Ouais, je suis level 130. Ouais, je peux enfin faire le boss. Let's go. Bon, je pense qu'il y a ce truc-là pour me dire où est-ce que je dois aller. Du coup, je vais quand même l'activer juste pour le bien du monde et celle de l'humanité. Alors, normalement, je devrais venir parler à ce NPC. Bon, maintenant, on va prendre vice-amiral. Level 130. Mais avant d'y aller, je pense que je vais mettre d'abord mes stats parce que je risque de me faire buter. On va quand même mettre 4 ici pour le fruit, comme ça on équilibre bien. On va mettre 7. J'aime bien les chiffres à 0. C'est incroyable. Bon, les 10 qui restent, on va les mettre sur la défense, les 10 derniers, voilà. Maintenant c'est fait. Là, il y a 0. Alors, on va enfin faire ce boss. Ça va être un truc de fou malade. Wow, allez, c'est parti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Oh, il a failli me tuer, mais je l'ai tué en premier. Et j'ai eu pas mal de trucs. Que j'ai pas pu lire parce que ça s'est passé trop vite. Du coup, vu que le boss il prend 7 minutes pour spawn, et d'ailleurs j'aurais pu obtenir aussi sa cape, mais bon, je l'ai pas eu. On a 10% de chance de l'obtenir. Mais bon, c'est pas grave pour l'instant. Le boss, le temps qu'il va spawn, pendant ces 7 minutes, moi je vais profiter de faire des quêtes. On va prendre les quêtes normaux de ce chef. Voilà, voilà ça c'est les. Voilà, il y a qu'un seul quête, donc du coup c'est pas vraiment extrêmement incroyable vu qu'il y a qu'un seul quête. Mais je sais pas vraiment à partir de quel level normalement je suis censé partir de cette île. Est-ce que je peux toucher eux là-bas? Non, je peux pas le toucher. Lui, je peux le toucher. Maintenant, je pense que je vais faire beaucoup plus de dégâts que tout à l'heure. Ouais, je fais trop de dégâts, c'est un truc de fou. Attends, mais il est passé où le troisième? Eh oh! Attends, je vais vous buter, après je vais regarder votre collègue s'il est toujours en vie. Mais normalement, il devrait être en vie. Ah, il est ici. Ah ben. Bam! J'adore cette attaque, elle est incroyable. Ça tombe bien qu'il l'a fait déplacer de ce côté. Attends, mais il est où?
Bon, on va faire toi parce que t'es là. J'ai retrouvé le NPC, il est revenu vers moi. Je ne savais pas du tout où est-ce qu'il était parti, mais maintenant il est revenu. Allez, et maintenant la butée. Ça tombe bien. Bon, on a buté 5 mobs. Il nous en reste 3. Et c'est parti, on est monté level 137. C'est pas du tout mal ça. Pas du tout mal, on a fait 2 quêtes et on en est que à là. Bon, pour l'instant, on va voir si le boss est la spawn. Ouais, le boss il est là. Ah ben c'est génial. Ah ben on va encore te refaire. J'espère que je vais aussi monter 2-3 levels de plus. Comme ça, je serai level directement. Level 140. Allez, la quête. On va enfin préparer notre deuxième round qui va être extrêmement incroyable. Wow! La vie que j'ai, 49! C'est extrêmement fou! Il fait trop de dégâts en fait au final. Il me touche une fois, je suis mort. Je m'y attendais en fait. Il m'a buté, j'ai perdu 130 bounty. T'imagines s'il est 30 millions, il perdait 130 bounty, il serait quand même content. Bref, deuxième round. Et voilà, j'ai gagné. Et je suis monté level 140. Allez, on va continuer avec les quêtes normaux. Le temps qu'on puisse monter. Notre objectif, ça va être de viser directement level 150. Une fois qu'on arrivera à level 150, ça sera pas du tout mal, ça. Yeah. One eternity later. Level 148, c'est déjà pas mal du tout. Donc, du coup, il y a le boss. Bon, je pense que ça va être peut-être notre dernier round. Donc, ça va être notre troisième round et il sera le dernier. Et voilà. Bon, c'est parti. Je vais d'abord prendre sa quête avant de le faire. Attends, c'est qui, lui? Oh, toi, tu le tues pas. Et tu le tues pas, toi. Oups, oups, oups. Toi. Non, ne reste pas ici. Sinon, tu risques de mourir. Oups. En 2 attaques, c'était extrêmement violent. Bon, on va faire comme si on n'a rien vu. Et on va faire ce amiral. Enfin, ce vice-amiral. C'est parti, ça va être génial. Waouh, avec de... Oh my god, on a eu level 150 et en plus de ça, on peut aller dans la prochaine île. Ok, cette fois-ci c'était rapide parce que quelqu'un m'a donné un coup de main sans que je lui demande. Stop the cap. Bon, je savais même pas qui c'était. Vu que je suis dans un serveur public, c'était un peu normal que n'importe qui pouvait venir le tuer. Bon, bref. Là, on va aller dans la prochaine île. On va juste aller la checker. C'est quoi comme prochaine île? On est arrivé à level 150. Mais avant d'y aller dans cette île, déjà, je pense qu'il y a quelque chose que je vais vous montrer. D'abord, je vais d'abord regarder c'est quoi comme île. Wow. Oh, attends, mais je rêve. Non, mais je rêve. C'est l'île qui se trouve en haut. C'est Skyland. Il est trop loin là-bas. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que parmi ces 7 tours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est celle que je suis actuellement, il y a un cachet de secret. Voilà. Donc du coup, normalement, la tour qui a un truc secret, pour moi, je pense que c'est celui-là ou celui-là. Je n'ai pas oublié. Je vais checker les deux. Donc, je vais d'abord venir par celui-là. Je regarde à l'intérieur. Non, on voit rien. Donc du coup, c'est celui-là. Sauf que c'est bon celui-là, c'est sûr. Non. Ça veut dire que je me suis trompé, c'est celui-là. Mais ça fait longtemps que je suis pas venu autrement. Non, je tombe dans l'eau. Non, ah, je suis pas tombé dans l'eau. On va voler. Attends, mais c'est pas possible. On va se téléporter en haut. Voilà à quoi ça sert la touche R. C'est extrêmement incroyable. Ce truc-là qu'on avait acheté à 100 000, ça valait la peine de l'acheter. Bon. Ouais, c'est ici en fait. En fait, je m'étais trompé. Parmi ces 7 tours, c'était celui-là. Le seul que j'avais pas dit. Ok, on va rentrer. Ok, il y a une maison secrète. Enfin. Donc, une fois qu'on sera descendu à l'intérieur, il y a un truc qu'on doit acheter. Normalement, c'est quelque chose qui va nous rendre encore plus beau que ce qu'on est actuellement. Alors, ils ont dit que ça coûte 50 000 deal. Attends, mais... Non, mais... Non. On m'a dit, c'est une cape à sac poubelle, ça. C'est une cape à sac poubelle. Attends, on va d'abord sortir dehors.
Non, 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 c'est une sac poubelle, ça, en fait. Attendez, je ne comprends pas, là. Je me suis fait duer. J'ai lâché 50 000 pour avoir une sac poubelle. Du coup, en fait, elle donne de la vie et de l'énergie. Bon, pour l'instant, on va garder cette cape à sac poubelle. Mais on va partir d'abord au désert avant d'aller dans l'île qui se trouve tout en haut là-bas. On va d'abord aller dans une autre île pour récupérer un item qui va nous rendre plus beau que là. Enfin, normalement, dans l'île du désert. Du coup, ça va être extrêmement loin d'aller jusqu'à là-bas, mais je pense qu'il faut juste que je vole. C'est parti! Inside your self-righteous symphony, I would rather let this go than to bring it up. Et nous voilà, on arrive à destination dans l'île du désert. Oui. Donc, ce coup, c'est dans cette île-là. Normalement, j'étais censé acheter un item très spécial que j'ai pas pu l'acheter tout à l'heure. Ah, mais d'accord. Avant, tout à l'heure, là, il y avait une coffre, je l'ai pris, mais je ne savais pas, en fait, qu'il y avait une grotte secrète qui passe, en fait. Il était là où il y a le coffre, d'accord. Ah ben, et voilà, j'ai trouvé l'endroit secret. Donc du coup, je dois juste suivre le chemin, et voilà, une sorte de pyramide comme ça. Et voilà, donc... Et ce NPC, il s'appelle Hazam. Enfin, c'est Hassan. On va parler à ce NPC. Normalement, on doit avoir un item. Quoi? Vous n'êtes pas encore prêt? Comment ça, je suis pas encore prêt? Il faut avoir quoi pour parler, toi? Bon, pour l'instant, on va partir d'abord dans notre île, qui est tout là-bas. Don't wanna sleep. Oh, ça c'est l'île de Skyland. Enfin, ça s'appelle Skyland directement. Ouais, donc du coup, dans cette île-là, il y aura les mobs 150, ok. Et il y aura aussi pour 175. D'accord, c'est très incroyable. J'ai vu un NPC qui est là qui m'intéresse bien. Toi là, attends, par contre, j'aime pas avoir cette cape. Du coup, je vais la sortir. Voilà, personnellement, je ne l'aime pas. Know your fucking place, trash. Fucking robots. I don't give a fuck about no robots. They ain't got no soul. En plus déjà ça cache le logo de Thunost, ce qui est bien de la garder. Ok, ici on peut avoir le Dual Hidden Blade qui coûte 400 000. Ok, mais il y a aussi le Bicento qui coûte 1 million. Damn! 1 million. 1 million, c'est énorme. Je pense que c'est la sorte que je devrais acheter. Quand même, 1 million, ça a l'air très intéressant. À présent, on se retrouve à la fin de cet épisode. Dans la prochaine épisode, on va essayer de voir un petit peu, on va explorer cette île qui se nomme Skyland. Oui, je pense qu'il y a une qui est là, une qui est là. J'en ai vu une aussi qui est en bas. Ouais, j'ai pas pu l'explorer, mais... j'ai vu des trucs. Bon, mais maintenant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire de ce que vous pensez. Et n'hésitez pas aussi à donner des petits conseils, même si c'est moi qui donne plutôt des conseils aux gens, parce que je fais des tutos. Donc, maintenant, on va se lancer. Et c'est la fin de cet épisode. Let's go!